merde, c'est faux là. Deux fois, ça craint là. Sans déconner. Non. Nulle part. Tu vas voir que c'est un danger. On se sert plus que ça. Ouais, merde, il était juste là. Tu vas te perdre ici pour toujours. T'es prêt pour ça, soldat ? T'es chez toi, connard ! On va pas te tirer dessus ! Avancez par les côtés ! Tiens, les mecs, il est là ! Oh putain, il est touché ! Tiens, je vais te péter ! Allez, bougez-vous, putain! Tu peux plus fuir! C'est bon, Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. T-Bone se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant, ramène-toi, Aiden. T-Bone a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive.
sa mère. Te voilà, toi. Crispin? Non, qu'est-ce que je raconte? Pierce, c'est ça? Toi, c'est Pierce, celui des enchères. Irak! C'est toi qui me pourris la vie, connard! Parce que ça fait pas semblant en ce moment, moi je te le dis. Bouge pas, enfoiré. Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu t'amuses à me faire chier et tu viens fouiller dans mes affaires? Tu veux me niquer mes plans? Irak, ils sont tous dead! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc? Putain, je te connais même pas! Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux me voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Je vais pas te lâcher, fils de but. T'es mort. Putain, mais j'ai un vacille, moi. C'est quoi ce délire? Irak protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la retrouver. Les Viceroy ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Au moins. Je sais ce que je fais.
J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse.